Hey, what's up tout le monde? Bienvenue à un autre épisode de LSPDFR Québec. Mon nom c'est Gab le Gamer, puis on joue à Grand Theft Auto 5 pour faire changement. Bienvenue tout le monde. Hey, le lobby s'est rempli assez vite. On est déjà à 15 personnes. 15 personnes, super content que vous soyez là, la gang. J'ai vu qu'il y en a plusieurs que c'était la première fois qu'ils réussissaient à rejoindre un stream. Fait que, ben content de vous avoir avec moi pour ce soir parce que. On va patrouiller avec la Sûreté du Québec, avec le magnifique Ford Taurus, avec le nouveau skin qu'il y a derrière moi ici. Donc on va patrouiller avec ça ce soir, on est dans le coin de Sandy Shore, Québec, puis on va se concentrer sur tous ces appels à ce soir. Mais vous savez que, à toutes les fois que je dis ça, on finit par répondre à des appels de trafic pareil, puis qu'on fait des poursuites, puis tout, puis tout, puis tout. Fait qu'on va voir où est-ce que le jeu vous a amené, puis si vous êtes prêts, allons-y, allons-y, on y va tout de suite! Puis je viens de réaliser que j'ai pas le bon son pour le char de Taurus! Qui sonne plus comme une Camaro 84! Ok, on va faire avec, il est trop tard de le changer. On va juste vérifier avec madame la dispatch, comme de quoi qu'on est disponible. Oui, disponible. Parfait. J'ai oublié de rouvrir mon petit affaire de sirène dans le coin en bas à droite. Que la patrouille commence, effectivement. Super CC. Ça, c'est North Star, ça. Attention all units. A motor vehicle accident on Sonora Freeway. Respond code 3. Ça, c'est sur l'autoroute. Ça me regarde pas. Un peu loin de l'autoroute. On va laisser les autoroutiers s'occuper de ça. On va attendre de voir de quoi pour nous autres. On va arrêter pour équiper notre veste par balle, par exemple. Avant que ça commence. Oh yeah. 1 Paul 18. We've got on Marina Drive. Ouais, le 18, je vais y aller. Puis, j'ai essayé de trouver c'était quoi le bug avec mon voice changer qui faisait que je mettais ma bruit de radio de CB, pis etc. Puis j'ai pas trouvé. J'ai essayé de jouer avec les volumes, mais on dirait qu'à toutes les fois que je paye sur le piton, c'est mon Streamlabs, dans le fond, le programme qui enregistre le stream pis qui le met sur Twitch. On cherche un dilatanté, 46 Edward King 572. Ok. Noir. À toutes les fois que je paye sur mon piton, on dirait que ça faisait bugger Streamlabs. Puis peu importe le volume que je le mets, quand ça revient tout le temps au volume à zéro, dans le fond. Bon. On va l'avoir manqué, je suppose. Ouais, il va avoir tourné ici. Fait qu'on cherche un dilettante noir. Avec la plaque qui finit par 572. C'est un. Le véhicule est connu comme étant. Faisant partie d'un gang qui fait de la vente de stupéfiants. Donc, on va essayer de le trouver. Je t'ai vu! Un Paul 18, j'ai repéré le véhicule en question. On va être sur Marina Drive. On va passer en avant de la machine à bateau. We have a suspect resisting arrest on Il se pousse! Ok, 1.18, on va être en poursuite avec ce véhicule-là! Course à pied, il a abandonné le véhicule! Je sais pas pourquoi. Dude, pour vrai, là, tu vas faire quoi? Bro, on va te faire une petite tape des genoux! Tiens!
Tu bouges pas. Les mains désertes. Ah! Touche pas mon char, toi. That's why you must have a weapon. You must be armed. Bon, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui avait donné un gifted sub, mais j'ai pas eu le temps de voir c'était qui. Fait que laisse-moi finir ça, puis ça sera pas bien long. Ça sera pas bien long. On va taser lui. Dude, arrête de courir, tu vas te faire taser! Oh! Ah! Là, je l'ai vu. JP La Sonde, merci beaucoup, man. Bienvenue dans la crew. C'est qui l'a eu tantôt? C'est PatMars84 qui a eu le gifted sub, dans le fond, l'abonnement donné. Fait que PatMars, oublie pas de dire merci à Monsieur La Sonde. Manqué. Puis Peanut qui enchaîne avec un 100 bits. Merci beaucoup, man. Tu vas voir que. Bon, je suis en avant. Ça va pas bien. Hey! Un Paul 18 suspect neutralisé. On est au coin de Zancudo puis Mountain View Drive. J'ai besoin des services d'urgence, s'il vous plaît. Ambulance. Assistance required in Sandy Shores. Assistance needed in Sandy Shores. Faudrait vraiment que je trouve mon piton. Merci au monsieur. Faudrait vraiment que je retrouve mon piton pour le plaquer au sol. Il y avait un fusil sur lui. Il y a un piton pour le plaquer au sol. C'est ce que j'ai essayé de faire. Mais vu qu'il a arrêté puis il s'est reviré, ça lui a donné un coup de crosse de taiseux. There it is. It's not looking good. Salut Kick 17! Le mode que j'ai utilisé pour les graphiques Patmar, c'est Quant V. Q-U-A-N-T-V. Mon image est pas centrée. Why do we even show up? Chris, t'as bien raison, t'as peu. C'est bien weird ça! Attends un peu, on va changer ça ici. Ben oui, gadon. Hey, t'as l'œil à maudit, j'avais même pas remarqué. Merci! Mon stupide 1, ben oui, ils ont pas réussi à le ramener. Un Paul 18, j'aurai besoin des services du coroner sur zone, s'il vous plaît. Assistance required in Sandy Shores. T'as l'œil, mon gamer pro. J'avais même pas remarqué. Merci beaucoup. Pourtant, j'ai rien changé depuis la semaine passée. La semaine passée était correct. Bon, ça c'est quoi ça? An error has occurred. Hein? Ok. Tasse-toi! T'es dans ma bulle. Bon. Bon, pendant que je fais ça, moi je vais retourner à mon char, je suis pas calé au bout du monde. Shot by a firearm, hey. Pas trop bon, coroner. Ah, pas si loin que ça finalement, il est revenu, je sais pas.
Arrête. Tu irais voir tes messages privés sur Twitch, ouais, je peux comme pas faire ça là, là. Le char a-tu disparu? Ouais. What would you do in the bush? Paul 18, montre-moi 10. I'd stick a knife in my teeth. I'd crawl through the razor grass till I found me a load of enemy combatants. Nothing. A disturbance in Sandy Shores. La 18 en direction. Units respond code 2. Code 2, ok. Prio 2. Le 18 capté, prio 2. Donc on a un problème à une résidence. Peut-être ça a l'air d'être une bagarre conjugale. Peut-être pas. Ah! Ok. Aucune idée c'était quoi ça, mais bon. Ok. Citizens report a motor vehicle accident. Bon, ben on ira pas. Cet appel-là, bon, on va aller à l'autre. Aucune idée qu'est-ce qui s'est passé là. Le char a juste explosé. Il n'y a pas personne qui avait de gun. Il n'y a pas personne qui avait rien. Ouais. C'est beau ça. Bon, fait que là, il y a un véhicule en panne qui gêne la circulation. Bon, il n'est pas si pire. Il va-tu exploser lui et tout? Bonjour, comment ça va? Merci d'être arrivé si vite, monsieur l'agent. Ben, de rien, c'est quoi le problème? Mon auto a juste arrêté dans le milieu de la rue, aucun avertissement, il est juste mort. Bon, ok, pas chasseux. C'est un spot quand même dangereux, il y a gros du trafic ici, fait qu'on va essayer de bouger ça le plus rapidement possible. Ouais, je sais, j'ai aucune idée c'est quoi le problème. J'ai essayé de le repartir, mais ça marche pas. Ok, laisse-moi vérifier ce qu'on peut faire, là. Puis, va te parker à côté de mon véhicule en attendant. Puis, je vais regarder ce que je peux faire. Ok. Oh, l'autre, excuse. L'autre bord, hein, c'était un petit peu gênant, ça. Ah, pas le 18. Pouvez-vous me faire un type 1, s'il vous plaît, sur un véhicule matriculé au Québec? Ça va être X-Ray Paul Boy William 0832. Ocean Boy 32, pardon. Target vehicle license plate. X-Ray Paul Boy William Ocean Boy 32. Target is 10-4. Jacob Lynn. Pardon, est-ce que vous avez une pièce d'identité sur vous en passant? Juste comme ça. Kiflum. Thank you. Parfait, monsieur Moore. Hey, j'ai remarqué le véhicule, il est pas à votre nom. Vous le louez? Ok, ok.
Ok, ouais, pas de problème. Oh boy, l'animation est brisée là-dessus. Hey! Hey, parfait, Monsieur Moore. Donc, j'ai réussi à réparer le véhicule. Là. C'était un spark tube du troisième cylindre qui était mal branché. Fait que le véhicule fonctionne, là, vous devriez être capable d'y aller. Ok! Il est là au bord ton véhicule. Monsieur Moore? Monsieur Moore? Bon, bonne journée là! All units, we are code 4. Il va-tu retourner à son véhicule ou pas? Non? Bon, ben, tant pis. 18 au CGA. Envoyez-moi une remorqueuse, s'il vous plaît, pour le véhicule. On est sur Marina Drive, 825. Assistance required in, the Alamo Sea. Partner, je sais pas c'est quelle version, honnêtement. Je me rappelle plus c'est laquelle. Bon. Fait que là, Towing a embarqué le véhicule, puis nous autres, on va aller en prendre un autre. Hey, Olivier, bienvenue, man. Ça va super bien, toi? Ok, je pense que je comprends c'est quoi qui arrive. Je pense que je comprends c'est quoi qui arrive. Pourquoi que mon char a explosé, puis etc. Un petit peu. Controller support. Key bindings. Aha! Il est là le coupable. Là, je vais faire un test. Non, il a pas explosé. Ok, c'est bon. C'était ça le problème. J'ai réinstallé la mise à jour de Simple Trainer tantôt. Puis mon bouton pour faire le petit bruit de micro, là, ça là. C'est le même que pour faire exploser le véhicule le plus proche. Puis là, je suis pogné avec un flasher. Ok. C'était pour les flashers que je l'avais mis. Que les key bindings fonctionnaient. Puis si c'est pour faire exploser mon char toutes les fois, je mets mon flasher. Ben on va le faire. Ah ben dans le fond, le modèle de Taurus, c'est pas moi qui l'a fait. Mais le skin qui est dessus, c'est moi. Ça, ce modèle-là. Je pense que c'est le modèle à Hell's Popcorn encore. Ouais, il s'est fait voler son catalyseur, ouais, ça doit être ça. Mais ouais, c'est le modèle que Hell's Popcorn a fait. Puis moi, j'ai refait les skins pour. Sandy Shores. Ouais, le 18 en direction. Respond code 3. Captain, direction prio 1. Fait qu'on a un homicide. Un
gars qui s'est fait tirer à bout portant. Là. Le 18, je vais être 10-12, envoyez-moi un additionnel. Assistance required in Sandy Shores. Adam 6, copy. We'll check it out. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous êtes capable de me dire qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'ai appelé le 911. Je suis arrivé, puis j'ai vu une fille fâchée qui s'est emmenée vers nous autres avec un fusil, puis elle a tiré mon ami. Ok. Est-ce que vous la connaissez, cette femme-là? Non, je la connais pas, mais je l'ai vue partir dans un char jaune. Le numéro de plaque, c'était 78 VSQ 367. Ok, bon, on va essayer de la pogner. Merci d'avoir appelé. C'est tout? Oui, ok. Le 18 au CGA, on va avoir besoin des services d'urgence santé sur zone, s'il vous plaît. Hey, reste-t-il, Paul, moi je vais aller chercher le char. On l'a repéré, ses caméras. Hey, Peanut avec un autre 120 bits, merci beaucoup! Slazix, bienvenue au stream, man! Ouais! Bon, c'est proche, ça. Bon, fait que là, le véhicule jaune qu'on recherche, il a été repéré dans le cours ici. Ah non, c'est avec son numéro de plaque. Qui a retrouvé son adresse avec son numéro de plaque, dans le fond. Le 18, je suis arrivé à l'adresse du suspect, là. Je vais être en code 6. C'est supposé être une femme, pis ça, c'est un gars. Bonjour, monsieur! Gab le gamer avec la Sûreté du Québec. Est-ce que vous êtes propriétaire d'un primo jaune? Oui, mais je ne l'ai pas vu depuis hier soir. Elle a été volée? Non, je pense que c'est ma soeur qui l'a pris sans ma permission. Pourquoi? Puis ça, on dirait jamais ça à quelqu'un. Un témoin aurait vu une personne qui matche la description de votre véhicule quitter la scène d'un Kim. C'est une personne qui est recherchée présentement pour le questionnement. On voudrait y parler 2-3 secondes. Est-ce que vous savez où est-ce qu'elle est? Ah ouais, tu vas défendre ta soeur? T'as-tu un gun? Non, il n'y a pas de gun. Ah! 18 au CGA. Un homme de race blanche, t-shirt vert, en short kaki qui se sauve de nous. Ce serait le frère de la personne qui est suspectée du homicide. On va être sur Joshua Road. C'est une course à pied. Bro, pour vrai, là... Dude, je vais tout saler mon Taurus, là. Arrête! Sérieux, arrête de courir, ça donne à rien. Pense-y même pas de voler un bicycle à gaz de la police. Pense-y même pas. Faut que tu cours plus vite que ça! Oh! T'es supposé être le taser! Pourquoi est-ce qu'il prend pas son taser? Bon!
Et que j'ai failli avoir les affaires internes sur mon cas, en esti là. Pas tout à fait le même poids. Un taser pis un fusil. Bro, come on! Ah! Dernière cartouche! Oh! Drette où ce que le soleil brille pas. Les mains désertes, tu bouges pas! À terre, la face dans le sable, fais-le maintenant! Tu bouges pas! Mais ça m'a pas dit où est-ce qu'elle est sa sœur, ça, par exemple. Ah. Backup required in Sandy Shores. Bon. Ok. Toi, tu bouges pas, tu restes ça. Faut que j'aille trouver le mot du chat jaune. Hey, Real Québec Joe! Bienvenue au stream, man. Merci de le follow. Éteins ça, viens surveiller lui ça. Watch-les, lui, là. Je vais aller le trouver, on cherche un véhicule. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup trop de courses à pied dans ce jeu-là. Beaucoup trop. Hey, salut Olivier! Bonne soirée, man, bonne route! Sois prudent! Ah, j'avais pas vu ta question, man, excuse-moi. Je cherche une compagnie pour l'hiver, des suggestions. Pas vraiment. Ça dépend de ce que tu veux faire, ça dépend de plein d'affaires. Bon. Il y a quelqu'un qui a repéré le char jaune. Devrait pas être trop dur à trouver. Hey, calvaire. Il est jaune longtemps à part de ça. Il est jaune longtemps. Le 18 au CGA, on a repéré le primo jaune. On est sur Marina Drive, direction ouest. On va arriver à la hauteur de Joshua Road dans quelques instants. On va tenter de intercepter le véhicule. Dernier arrêt au 535 Marina Drive. Je vais avoir besoin d'un code 5, s'il vous plaît. Backup needed in Grande Sonora Desert. Roger, dispatch, we are en route. Merci, Slazin. Slazin, Slazin. Slazix, c'est vrai, c'est un X. Green 2, we're in the area. We got men all around. Bon. Conductrice du véhicule, vous allez éteindre le moteur de votre véhicule, sortir les mains par la fenêtre et avec votre main droite, ouvrir la portière du véhicule par la poignée de l'extérieur. How dumb are you? Les mains des airs, les mains des airs. On bou- non, non, oh! We're in pursuit. Coup de feu tiré, coup de feu tiré, est en poursuite. Tu l'as, Paul? Dispatch! Suspect is on foot! Non! Dispatch, perp in sight.
beaucoup trop de course à pied. Dave! Fais-y! Gun, 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 gun! On avance, Paul. Troisième mort stupide. La sonde, monsieur la sonde. Merci pour un autre 100 bits. Merci beaucoup. Le 18, suspect neutralisé. Coup de feu tiré par la police et par le suspect. On va avoir besoin d'urgence santé, s'il vous plaît. Ambulance. Assistance required in Grande Sonora Desert. Êtes-vous correct? Toi, t'es correct, Paul? T'as rien? Pas tiré rien? Non? Ok. Ah ouais! Y'a rien à regarder, continue! Merci! Ah, toi, Jean-Paul, t'es-tu correct? Ouais, pas tiré, pas de blessé, rien. Laisse-moi regarder en arrière, là. Non, ok, c'est beau. C'est beau, prends pas ça de même. Qu'est-ce que tu veux dire, t'arrives pas à le mettre en noir? Il y a comme une couleur par-dessus ou ben il pop pas dans les bonnes couleurs tout simplement? Yeah, tell me about it. Ah, merci, merci. Jesus. Quoi, j'avais assez été tiré, moi? Non, elle m'a pas touché. J'avais perdu de la santé, damn. Mais... Okay. Let's do what we can do. Où ça fait comme mon pick-up, puis il y avait comme une lueur verte dessus tout le temps, là. Non. They didn't make it. You betcha. Ah, ouais, il s'était fait tirer, lui, finalement. Parfait. 18 au CGA, besoin des services d'identité judiciaire. Assistance required in Grande Sonora Desert. Tu checkeras voir si ton véhicule y a un. Mettons, je dis un nom de même, là, mettons que c'est police 1, tu checkeras pour pas qu'il y ait un fichier plus high. Police 1 plus high. Puis s'il y a un plus high, faut que tu mettes ta texture dans les deux. Faut que tu le mettes dans le police normal, puis le police plus high. Un chargeur fusil, canne de bière, puis une carabine. Bon. Tina Veneto. Le coroner qui arrive. On va fouiller le char en attendant. Je pense qu'elle aurait eu plus de chance si elle se serait sauvée. Paille, un bâton, un ballon de basket. Okay. À 18, j'ai besoin d'un 10-08 pour le véhicule du client, s'il vous plaît. Tow truck. Assistance required on Marina Drive. Fait que tout le monde est correct. Ok. Bon ben je vais vous laisser aller remplir vos rapports, messieurs. Merci pour le backup. Euh.
Arrest Warrant, ça c'est un autre fusillade encore. Ça, on va passer mon temps. On va passer mon tour, je veux dire. Je vais aller de bon. Bon, un autre défaite. Toute une histoire pareille. Ouais, c'est ça, tu vois, il y en a quatre. Fait que dans tes noms, admettons que c'est police, là, tu vas avoir police1.ytd, police1.ytf, police 1, petite barre en dessous, HI, puis police 1 plus HI. Puis ta texture, faut que tu le mettes dans le plus HI aussi. Faut que tu mettes ta texture dans deux fichiers différents. Sinon, ça fonctionnera pas. Units reporting a 148 on Panorama Drive. Gunshots reported. All units respond code 99. Le 18 en direction. Adam 4, copy. Are located in pursuit. Bon, fait qu'une poursuite avec des personnes armées. On entend un coup de feu. Un Paul 18, ça va nous prendre le support aérien là-dessus. Helicopter, assistance required on Joshua Road. Eagle 7, we're arriving over the target coordinate. Ah, il roule en tabarnak! Oh, ils viennent de l'avoir! Le 18, on a direction S sur Sonora Road. Le véhicule, c'est un Bugstar, donc un Econoline de la compagnie Bugstar Bleu Pâle. Plusieurs suspects armés à bord. Coup de feu tiré, coup de feu tiré. On est en direction de la ville, faudrait aviser le GTI. Oh yeah! Get 'em, boys! Aviser le SPVM, là, on rentre en ville, on va avoir besoin de leur support. Animals on the loose. Dispatch, perfect sight.
one shot! Sortez du champ! Sortez du champ maintenant! T'avances avec moi, t'avances avec moi! On... Conducteur clear! Passager clear! Un Paul 18, on va être code 4. Vous pouvez barrer la rue, envoyer service d'urgence pour les enquêteurs. Ouh! Ambulance, assistance required on Meteor Street. Le headshot! Ça valerait quasiment un clip, ça. Excuse-moi, t'as des jambes, Paul. Ouais, tasse-toi! 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 Bon! Headshot au volant, first person! Merci beaucoup! Tout le monde est correct, à part le char de police qui a pogné en feu là-bas, là. Vous autres, tout le monde est correct? Comment ça, vous avez pas les bons uniformes, vous autres? OK. Belle machine, ça. JP. Ouais. J'y prends pas si jeune que ça. C'est flatteur, mais. This is a tough one. Assistance required on Lockport Freeway. Respond code 2. Je m'excuse, c'était vraiment de mauvais goût ma blague, mais bon. Copy dispatch, Adam 4 en route. They're gone, bro. Most right. I should move to Vice City. Finalement, y'a personne du SPVM qui est venu. Faut tout. Je te dis, les gars de ville, faut tout faire leur job à leur place. Alright, give me something. Report, a motor vehicle accident. Attention, on va relâcher le trafic là, attention vous autres. Excuse, c'est toi le sergent du team GTI? Ouais, là, tu peux tu peux y aller. Amène ton team avec toi, là. Tu peux y aller, là. Thank you. Vous bloquez la route pas mal avec votre blindé. Bon, ils ont fini les autres aussi. OK. Required on Meteor Street. Un drapeau terroriste, bon. Monsieur, je sais pas si vous avez remarqué, mais vous bloquez un véhicule d'urgence. Ouais. Thank you.
Ah, il prend ses photos en hauteur, c'est bon ça. I'll cover you. Citizens report trespassing. Hey, monsieur Lassonde, on a 100 bits, merci beaucoup. All units respond code 2. Ouais, c'est correct. Ben, ça devrait être PNG, pas point PNJ, là. Mais, c'est pas ça que je te dis, Slavin, là. Check ben. Je t'ai le montré, là. T'es chanceux en crise que je fasse ça pendant un live, man. Tu fais attendre 10 autres personnes. Bon, garde, mettons mon autobus. Il y a 4 fichiers. T'as le plus high ici. Faut que tu mettes tes images dedans. Celui-là, il n'y en a pas, là. Mais mettons, faut que j'en trouve un qui l'a. D'après moi, police 1, il l'a. Ouais. Garde mon police. J'ai le plus high ici. Puis j'ai police 1. Police normale, police normale. Puis je devrais avoir le underscore, il est ici. Fait que j'ai ces deux là. Puis il y a ces deux là. Ça, c'est tout pour la même char. Mais tes textures, faut que tu les mettes là, dans le normal, comme tu fais normalement. Puis dans le plus high, ici, faut que tu ailles remettre tes textures aussi pour qu'ils changent. Bon, une chance que j'avais relâché le blindé pour qu'il arrête de bloquer la rue. Monsieur, pouvez-vous, s'il vous plaît? Non, je peux pas. Je peux pas aller tasser l'autre bord, Paul? Non? T'as-tu le dernier? Non, il en reste un. Passe à côté, bro! Regarde, l'autre voie est ouverte, là! Ah, bon! Le blindé a compris. Ok. Pour l'ouvrir, ben Mick, dans le fond, le mode de LSPDFR, faut que tu l'installes dans ton jeu de Grand Theft Auto. Si tu regardes sur ma chaîne YouTube, j'ai des vidéos qui montrent des tutoriels qui montrent comment l'installer. Hello. T'as juste à suivre ça, puis tu devrais être capable de t'en sortir. Le 18 au CGA, j'ai besoin d'un 10-08 pour le véhicule des clients, s'il vous plaît. Flatbed, assistance required on, Non, ben nous autres, on peut y aller, boys. Le job est fini, ça. Beau backup, bel job. Bonne chance avec la paperasse. Ah, il y avait un gars du SPVM. Il en avait un. Voilà le towing. Bon. On espère qu'il mouille bientôt pour ramasser les taches de sang à terre. Moi, je vais aller laver mon char.
On va aller laver l'autopatrouille, puis après ça, on va retourner chez nous, dans notre juridiction. Hey, rouge, t'attends! Un petit lave-auto au bras du au bras des citoyens, sur le bras des citoyens. Oh, je pensais que c'était plus tard dans le non, Mirror Park, ça c'est pas ma job. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est? All units, Sirius NVA on Olympic Freeway. Units respond code 3. Un towing abandonné. I'm right here, on fait comme si on n'avait rien vu. I'll check it out. On va faire comme si on n'avait rien vu.
Ouais. Il me semble que ça fait un bout qu'il n'y a pas eu d'appel, là. C'est pas beautiful, ça. Ah ouais, madame, le dispatch. Fait que ça, c'est une zone de... C'est une zone de 60. Je pense. Ouais, c'est une zone de 60. Tant qu'à pas avoir d'appel, on va faire un peu de radar. Non! Alors, tu as essayé, Slazin. Au pire, tu réécouteras... Slazix, tu réécouteras la rediffusion après. Là. Puis, tu vas pouvoir voir comment c'est fait. Bien disponible pourtant. Essayer de sauver du gaz. C'est tombé tranquille. Je sais pas si c'est à cause de l'heure. Oh shit, il fait noir là. Vous voyez-vous encore? Ouais. Okay. Boy, je sais pas. Slazik, c'est pas vrai, je sais pas. T'es sûr que ça a pas rapport avec le... Toi, tu m'as écrit .png tantôt, là. C'est supposé être .png, le nom d'un fichier graphique. G, comme dans Gab, pas comme dans Jacob. C'est bien tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je peux pas ces maudites missions-là. Je peux pas. Ça me dit de regarder dans l'ordinateur. We've got a 503 on to Norway. Non, laisse faire tes poursuites là. On en a une, on vient d'en finir une.
Ouais. Firearm in oh. Sandy Shores. Ouais, le 18, je vais le prendre. Respond code 3. Capté, direction prio 1. Le 18, je vais être en code 6 avec la victime. Bonjour monsieur, Gabriel Gamet avec la Sûreté du Québec, c'est vous qui avez appelé le 911? Oui, c'est moi, j'ai tellement peur, j'ai vu quelqu'un avec un fusil en avant de ma maison. Ok, puis il faisait quoi? Il faisait juste le montrer, puis il pointait vers du monde. Ok, ok, bon, restez calme, là. On va essayer de le trouver. Avez-vous une description de la personne? Non, 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 non. Suck my dick. Coup de feu tiré, coup de feu tiré. Copy that, dispatch. We'll find those animals. Couche-toi, asti! Bon! Chris, que j'ai ça quand mes pitons fuck. L'avez-vous eu? Ah, pas le 18, super neutralisé, envoyé aux urgences santé. Il semble que j'ai dit ça souvent à soir. Ambulance, assistance required in Sandy Shores. S'achète pas de brune, un fusil. Lawrence Sawyer. Avec le mode graphique, là, regardez comment ça. Ça paraît bien les lumières, les flashs, ces bâtisses. Juste le reflet des lumières partout. Débile. Ah, je suis en amour. Oh! Hey, merci, boys. Merci, merci. Je suis correct. Allez voir la victime, elle est là, là. Vous autres, les pales, il n'y a pas personne de plus touché? Non? Tout le monde est correct? Ici, non plus. Il n'y a pas d'officier à terre ou rien. Parfait, ça. Ah, du coup, c'est quoi ce petit sachet de brume-là? C'est pas de la cassonade, certain. Brun, ça doit être de l'héroïne, j'imagine. Et voilà, un petit sachet d'héroïne.
Puis son fusil. On va checker le numéro de série. Positif. Lauren Sawyer, il est à son nom. Ok. Reste dans le char. Qu'est-ce que tu fais? Reste dans le char. Hey boy, hein? Lauren Sawyer, il y avait un mandat pour braquage automobile. Ok. Fait qu'il fait un appel au 911 pour rapporter quelqu'un avec un fusil. Puis finalement, c'était lui qui avait le fusil. C'est une histoire de suicide par la police, dans le fond. T'appelles la police que dans le but de rentrer dans une fusillade avec eux autres pour quitter. Pour qu'ils en terminent avec tes jours. C'est triste, c'est malheureux quand on voit ça. À 18 au CGA, on va avoir besoin des services d'identité judiciaire. Assistance required in Sandy Shores. Ouais, je vais me tasser, excusez-moi. Bon, ben, bel job, les boys. Pas la fin qu'on aurait voulu, mais au moins, nous autres, il n'y a pas un de nous autres qui a été blessé. Bel job. À 18 au CGA, on peut montrer 10-18. Ah ouais, t'es rendu mon partner, toi? Ben embarque, Paul. C'est ce que je te dis. Officers report. All units respond. Code 99, emergency. Ok, ouais, je comprends pourquoi t'as voulu venir avec moi plutôt qu'avec lui. Ok. Oh, j'ai un flat. Bon, vous jasez plus dans le chat, là. Tout le monde est mort. Bon, ben on va laisser les garagistes travailler là-dessus. On va en prendre un autre, c'est bien. All units, a drug deal in progress. Pillbox Hill, c'est en ville, ça. C'est bon. Hein?
Comment ça se passe en job? Ça va bien. Là, on va recommencer à faire un petit peu plus loin. Ça faisait un mois ou deux qu'ils me gardaient dans le coin de Montréal tout le temps, ou bien juste comme Québec, Ontario. Je suis allé virer deux, trois fois au Nouveau-Brunswick. Ça fait changement. Ça change le mal de place. Ça change le mal de place. Ah, tu vois, lui, il sonne pas comme un, comme une Camaro 84. On va aller voir ce qui se passe à Harmony. Whoa! We have a suspect resisting arrest. Poor bag. No. Sort the show. Non, tu bouges pas. À terre. Ça pas là, on va essayer de trouver qu'est-ce qui se passe là. Ok. T'es pas en état d'arrestation pour l'instant, t'es juste détenu. Pourquoi que lui. Citizens report an assault on a. Paul surveille lui, ok? Je t'ai vu? Ouais, je t'ai vu. Don't you move! Non! Dispatch, we got eyes, we're in pursuit. Stop now! Whoa! Go to hell! Good job! Hey, c'est beau ça? Non, tu vas te faire frapper! Now. Hands in the air now. Arrête ce que tu fais, les mains dans les airs. Fais-le maintenant. On the floor, punk. No problem. Move. Un petit bug des fois là. Oh non, pas le bon. Celui-là. Hey. Dernière chance! Les mains des airs! Arrête de résister! La main des airs! Hey Ricky! Bienvenue, man! Les mains des airs, je t'ai dit! Why you chipping? Move! Hey, madre de Dios! Hey, il ne laissera pas rien faire avec. Le jeu est buggy. Don't you move. Okay. No freaking way. Nice. Whoa. Hands in the. C'est beau ça, certain. Stay right there. Okay. Whoa. What? Madame, avez-vous pris de la cocaïne ce soir? Madame? Oh, damn it. Madame? Okay. What the fuck? Moi, je connais une façon de régler ça. Madame? Nice. On the floor. Dernière chance!
Je suis vraiment, mais vraiment désolé. Ouais. Ok. Alors, à un moment donné, quand c'est buggy. Dispatch to all SWAT units. We have an assault with a deadly weapon. All units respond. Code 99 emergency. Bon, fait que là, l'histoire, c'est qu'en passant en avant du motel, j'ai vu des personnes qui chicanaient, puis là, lui, il est embarqué d'un char, puis il a passé sa pelouse pour venir me couper. Fait que j'ai arrêté lui avec l'intention d'aller jaser avec eux autres après. Mais, là, elle a volé un char là-bas, le système d'alarme renaît, la vitre est cassée. À 18, j'ai besoin d'urgence santé, s'il vous plaît. Ambulance. Assistance required on Route 68. Ouais, c'est beau. Merci d'avoir arrêté. Shit. Damn it. On va aller voir le char. T'sais, la vitre est cassée sur le char. Fait qu'elle a vraiment essayé de le voler. C'est pour ça que l'alarme... L'alarme renaît. Fait que c'est pas moi qui ai rêvé. Mais là, avec... elle était buggée, je crois bien. Bon. Puis lui, finalement... Il a pas vraiment rien fait de grave. Je voulais juste y parler. Lui, la vitre est pas cassée, fait que j'ai pas l'impression qu'il l'a volé. Peut-être aussi, remarque. Oh, passe pas sur le cadavre. Vous apprenez rien en technique ambulancière. Required on Route 68. Bon, ok, je vais me tasser de des jambes. Au! Excuse-moi, c'était de ma faute. Tiens, comme ça. Étape, Paul. Holy shit. Jesus Christ. No way. Look at all this drama. Faut vous rassurer dans le véhicule, madame. Ça va être beau. You're not even worth it. Oh fuck. What the shit? Aussi, vous pouvez vous rester dans votre véhicule, on a presque terminé. Oh my. Go on, you idiot. Get out of here. Lost their mind. It's worth it. Damn. Right. Pero qué demonios. Bon. Un petit peu de chaos pour pendant notre promenade. On continue notre route. Par exemple, on est en direction pour Harmony. On va se rendre à Harmony. C'était même pas un appel, non, ça a juste arrivé de même. Oh!
T'es rendu! Un Paul 18, on va être en contrôle routier avec un Infiniti XQ35. On est sur West Joshua Road, juste avant la traverse de chemin de fer, direction nord. Bonjour monsieur, Gab le Gamer avec la Sûreté du Québec, mon partner Paul de l'autre côté du véhicule, comment ça va? Qu'est-ce que je veux? Ben avez-vous une petite idée pourquoi je vous arrête? Impression que vous m'avez le dire, ben absolument, à l'intersection là-bas de la route 68 puis de Joshua Road, vous aviez un stop à faire puis vous avez aucunement tenté d'arrêter. Est-ce qu'il y avait une raison pour ça? Ça change quoi? Il y avait personne? Ben, il y avait moi. Il y avait Paul, puis il y avait un autre véhicule qui s'en venait dans l'autre sens en plus. OK? Fait que c'est pas une bonne raison. Puis même s'il y a personne, la pancarte est là quand même, elle. La pancarte, vous faites comme si elle vous voyait, OK? Pourquoi vous êtes pas arrêté plus tôt? Juste, ça fait un petit bout que j'ai allumé les lumières, là. Ça fait souvent que vous faites arrêter et les autres se sont pas plaints. Ouais, mais moi, je suis pas les autres, monsieur. Ça fait au moins 400 mètres que je vous avais signalé l'intention de vous arrêter. Vous êtes pas arrêté plus tôt. Puis en plus, je suis pas mal sûr que le résident ici, il comptait pas sur le fait de refaire sa clôture en fin de semaine. Hein? Vous allez où comme ça au juste? À sac, vous devez renouveler vos plaques. Pas mal sûr que c'est fermé la sac à cette heure-là, monsieur. Vous arrivez de où? Du dépanneur. OK. On a besoin de vos papiers, s'il vous plaît. Permis de conduire, matriculation, preuve d'assurance du véhicule. Kiflum. Parfait, monsieur Carly, c'est ça? Parfait, parfait. Bon, ben, tout a de l'air en ordre là-dessus à première vue. Laissez-moi le faire de vérification, je vous reviens, ce sera pas long. Mon partner va venir accompagner en attendant. Bon, fait que le véhicule, les plaques sont valides, les assurances sont valides, il est pas volé, il est à son nom, Monsieur Michael Carly, permis valide, pas de mandat, s'est fait arrêter 5 fois dans les 2 dernières années, pas en probation, pas sous condition, pas de permis d'arme à feu ou rien, stationnement sur le trottoir, entrave, puis stationnement interdit. Bon, fait que à part se stationner tout croche, il s'est jamais fait pogner pour rien, mais à soir, on se gênera pas, parce qu'en plus, il y a même de l'air à dire que c'était pas grave, genre, pis que... Fait que c'est un arrêt obligatoire, comme ça, on va enregistrer la contravention, on va y imprimer ça. Hey, Eritos, bienvenue au stream, man! La première fois que tu jases avec nous autres depuis qu'on est sur Twitch. Bienvenue, bienvenue. Bon, donc ça c'est imprimé. Bon, monsieur Curly, donc comme j'ai mentionné tantôt, ben premièrement, voilà vos documents, merci de votre patience. Puis vous allez recevoir une contravention aujourd'hui pour avoir omis de faire un arrêt complet à la pancarte, à la signalisation d'arrêt sur le coin là-bas, coin de la 68 et de West Joshua Road. Le billet d'infraction, ça monte à 135$, puis d'un point d'inaptitude sur votre dossier. Vous avez 30 jours au payer ou contester l'amende. J'ai pas vu c'est quoi qu'il a dit. Manger du beurre de pinot cette semaine. Ah oui, ben c'est... Dans ce temps-là, on s'arrange pour faire nos stops, hein? Fait que vous avez 30 jours pour payer ou contester l'amende, juste à remplir l'endo du billet selon le cas. Vous avez une petite case à cocher ici qui dit coupable ou non coupable.
Si vous cochez la case coupable, vous envoyez ça avec votre paiement, chèque visé, mandat poste, ou vous pouvez tout simplement aller à votre banque au guichet ou même sur internet pour payer ça. Si vous cochez la case non coupable, vous allez recevoir une lettre par la poste qui vous indique la date de vous présenter en cours pour expliquer votre cas. Et à ce moment-là, le juge fera la décision finale. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Non? Parfait. Donc, soyez prudents. Merci, bonne soirée. Voilà votre copie. Comme ça. Puis attendez que moi et Paul soit retourné dans le véhicule pour quitter les lieux, s'il vous plaît. Pas essayer de pas briser la clôture, le trailer, le camper, la maison, l'antenne satellite, l'arbre, puis rien d'autre en quittant les lieux, OK? Merci, bonne soirée. Et t'as Paul, fini. Paul! Moi, je veux regarder ça. Oh! Agréablement surpris. 18 au CGA, moi pis Paul 29, on va être 10-05. Ça, c'est l'SPVM, on va être 10-18. Good, Ritos, ben bienvenue, man. C'est un dimanche spécialement cette semaine. D'habitude, c'est le samedi. Mais hier, j'avais une rencontre de mon club de char modifié. L'unité 18, on répond à ça. Capté, code 3, merci. Donc, un homme qui a été aperçu avec une arme à feu. Encore une fois, on espère que c'est pas le même et qu'il va nous tirer encore. Ouh, j'ai failli passer tout droit. Ah oui, j'ai des scene lights sur celui-là. Ah! Merveilleux, ça! Bonjour madame, Gab le Gamin avec la Sûreté du Québec, mon collègue Paul, c'est vous qui avez appelé le 911? Parfait. Oui, j'ai tellement peur, j'ai vu quelqu'un avec un fusil en avant de ma maison. Il me semble que ça fait pas longtemps qu'on a vu ça. Ça te dit-tu quelque chose, Paul? Quelqu'un avec un fusil en avant d'une maison? Non, ça me semble que ça... Ouais, ok, parfait. Puis il faisait quoi, le monsieur? Il avait un fusil, puis il pointait sur du monde. Ok. Ok, ok, bon ben, relax un peu là, on va essayer de le trouver, vous pouvez rester à l'intérieur, puis s'il vous plaît, tirez-moi pas, ok, c'est bon, merci. Target last seen hey. On c'est pas elle, c'est pas elle, tu peux y venir Paul, c'est pas elle. Viens t'en Paul. Donc, il aurait été repéré sur la 68 Approach, qui est la prochaine rue juste ici. On va rallumer ces lumières-là. Oh, ben, ok. C'est pas un homme, par exemple. Le 18, on a repéré la personne recherchée, là. Hey, il pointe sur nous autres, là. Wow, 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 wow! Oh! Qu'est-ce que c'est ça? Ah! Oh! Bullshit! Eh où, eh où, eh où? Backup needed in Grande Sonora Desert. Eh où? Oh, elle a! Acknowledge. Bon,
Bullshit! Hostie! Si je meurs à cause de cette petite bullshit là, je serais pas content. Hostie, qu'est-ce que c'est ça? Reste à terre! Tirez-la, calice! Tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Hello. Un Paul 18, suspect à terre, policier à terre, on a besoin d'urgence santé, s'il vous plaît. I'll keep him busy. Ambulance, assistance required on Joshua Road. Envoyez aussi l'FBI. Stop! 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 J'ai dit! Bon. You got that right. I see the body. Let's move. Con prisas. Moi, je touche pas à cette affaire-là. Qu'est-ce que c'est ça, Asti? Faire venir le superviseur aussi. On, Joshua Road. We'll keep our eyes filled, dispatch. Tabarnak! Paul, il est où, lui? Paul! Ça, c'est mon truck qui est à l'envers, là. Asti. Paul, t'es-tu correct? T'as un truck sur le dos. Hey, t'imagines-tu une guerre de gang avec 18 personnes qui ont ce gun-là? Si, boire. Non, Paul! T'étais si jeune! Assault with a deadly weapon, a civilian in need of assistance in West Vinewood. Pas ça, je voulais faire. Bon, ça marche pareil. Oh, yeah. All units on, Salut sergent! On a un hostie de show, de shit show ça! Assistance required on Joshua Road. T'aides pas, hein? Vous savez?
Non, continue, t'étais parti dans le bon sens. Bon. Tu vas l'avoir, tu vas l'avoir. Ah. Sais-tu, je suis plus sûr. C'est beau, merci le pilote. Tout simplement, mon gueule. Moi, mon char, je peux plus faire grand chose avec. Ça. C'était du Pulp Fiction, ça, Lille. Sérieux, là? Hey, je viens de me faire un nouveau truc. Bon. Parle-moi de ça. En place. Coroner ont fini, je pense. C'était vraiment hot comme call, par exemple. je m'attendais pas à ça, pas tout. Bon. Ok, ça commence à se nettoyer. Parfait. Là, cette voie-là va être éclairée. C'est ici qu'on va bloquer à la place dans... Oh! Ils ont pas ramassé lui. Ça. Ils ont pas ramassé Paul. Assistance required on Joshua Road. Troué de vêtre le saut, pis moi! Je sais pas si vous savez, mais moi je joue sur un écran de 52 pouces. Fait que le char, quand je l'ai vu lever, c'était quasiment grandeur nature. Hostie! Pis je m'attendais pas à ça, pas à tout. Ouh! Mais c'était vraiment sa coche, par exemple. Hostie que c'était rare. Mais j'aurais vraiment été en crise si j'étais mort à cause de ça. Bon. Bon. Justement, tandis qu'on en parle, je vais en profiter pour reprendre ma veste par balle. J'avais même pas de veste par balle pendant tout ça, là. J'avais juste ma petite barre de santé. Ben, t'es rendu dans le rouge foncé en maudit à la fin. Bon.
ça c'est fait. On va attendre dès que le coroner passe, on va pouvoir bloquer l'autre voie dans l'autre sens. Comme ça. Comme ça. Non, le wing, l'autre bord. Non, l'autre bord. Ça passe pas de ce bord-là. Recule. Recule. Continue. Non. Ah. Mon hostie. Recule. Bon. Vas-y. On finit par l'avoir. Moi, j'avais même pas remarqué la couleur du fusil. Non, j'avais rien remarqué de ça. Moi, je me préparais, genre, surtout quand elle l'a pointé vers le char de police. Je m'attendais de sortir puis de me cacher en arrière de la porte pour avoir du couvert dans le fond, mais ça n'a pas servi à grand chose. Gamer Pro, si je pense refaire du American Truck Simulator prochainement, je pense que oui, il y a gros des mises à jour qui ont été faites là, puis j'y pensais justement. Je sais pas quand là, mais on va en faire un moment donné. Faut que je refasse mon setup puis que je change une coupe de patente là. An officer in need of assistance for a stolen police vehicle. Ah. Mais cette pancarte-là m'a sauvé la vie. Hein. Tow truck. Assistance required in Grande Sonora Desert. Required on Joshua Road. Ce sera pas long, madame. Monsieur, excusez. Ce sera pas long, on termine une scène. Là. Ça devrait pas être bien long. Un petit 2 minutes encore. Bon. Bon, qu'est-ce que j'écris dans mon rapport? Citizens report a deadly weapon. Ouais, le 18 en direction. Oh, mes lumières, hein, t'as peur. Bon. Hey, ça doit être... Pense-en même pas. Je veux pas le savoir. Soit ça ou ben dans le secteur des gangs, là, elle se met à tirer ça. Fait que là, faut que tu deals avec elle, avec ce fusil-là, pis tous les gars de gang alentour qui essaient de tirer aussi. Ça doit être mon gars. Le chaos total. Oh, un appel qui est rentré, quelqu'un qui vient de trouver un arme à feu. J'espère que c'est pas un autre fusil de l'espace. À 18, je vais être arrivé sur zone. Et que je vais être prêt, celle-là. Bonjour, madame! Câble Gamer avec la Sûreté du Québec, c'est vous qui avez appelé? Oui, monsieur l'agent, je marchais vers le magasin puis j'ai trouvé un fusil. J'ai vu un homme qui a pitché un fusil en dehors de la fenêtre de son char. Puis il s'est sauvé, il a continué à conduire le long de la rue. Il devrait pas être ben, ben loin. Ok, on va essayer de le trouver, merci. C'est une description du véhicule? Hey, I'm stuck in traffic again. Stuck in traffic, ben oui, tapis. I don't know why bon, fait que... un Acer Taupe.
à ce top. Il y en a un qui va pas mal vite ici. Il vient de dépasser sur une ligne double. Oh! Le 18, on va être en poursuite avec un Answer Taupe noir. On est sur la route Sonor Road, direction Est. Trafic est léger, visibilité est bonne. Pourrait faire un effort pour aller un peu plus vite que ça. Ah, bon, merci. Vous m'envoyez un additionnel, s'il vous plaît. On va tourner sur Bay Tree Canyon Road, direction sud, dans le chemin de terre. Assistance required on Bay Tree Canyon Road. Roger that, we're on our way. Je sais pas s'il pense qu'il va me perdre d'un trail de chemin de terre, là, mais je suis quand même un explorer. On est rendu sur Sonor Road, direction sud, vers la ville. Poursuite à très basse vitesse, on est à 70 km/h, trafic est léger, visibilité est bonne. Toujours Sonor Road, direction sud. Ouais, c'est pas la poursuite la plus excitante du siècle. J'imagine que mais un moment donné, il va venir un peu plus fou. Assistance needed on Sonora Road. On arrive en ville. On traverse Elgin, on est maintenant sur... Non, on est sur Elgin, on traverse Almond Park. On poursuit la route sur Elgin. Avisez le SPVM. Oh, calvaire. Lui, il était prêt. Oh! Déjà le pire! Copy! Officers in route! Dispatch, we got eyes on the target, moving to engage. On va être rendu sur Spanish Avenue, on traverse Power Street, direction ouest. Trafic est médium, visibilité est bonne. Toujours sur Spanish, on traverse Las Lagunas Boulevard.
Même pas vrai! Bon, ça va pas bien chauffer avec cette vision-là, finalement. Le 18, je vais être deuxième dans la poursuite. On tourne sur Portola, sur Del Perro Boulevard, à partir de Portola. Puis une gauche sur Mad Wind Thunder Drive. Oh, 10-05 avec un véhicule. Le 18, on reprend la position primaire dans la poursuite. On va être sur Heritage Way. Vitesse moyenne, trafic est léger, visibilité est bonne. On poursuit sur Movie Star Way. On va faire une gauche sur Marathon Avenue. Un autre gauche sur Rockford Drive. Immédiatement une droite sur Red Desert Avenue. On poursuit sur le quai de Del Perro. C'est un cul-de-sac, les boys, il n'y aura pas nulle part où aller. Hein. Ah oui! L'hostie! Il est sur la plage! Il est sur la plage! On va le perdre! Pensez-vous! Helicopter, backup needed in Del Perro Beach. How about you? Eagle 1 is inbound! Ah oui, est-ce bon, ok. Asti, il m'a bien eu. Il m'a bien eu. J'étais sûr qu'il était pas programmé pour faire ça, là. Oh! Le 18, je vais paralléler sur Bay City Avenue. On est rendu sur Playa Vista Road. On retourne sur Bay City Avenue, direction ouest. Le pit est autorisé, messieurs, le pit est autorisé. On fait une boîte. Tu bouges pas! Non! Tu bouges... Tu bouges pas! Gun! Roger that. Attention all units, we are code 4.
Why? On va aller bloquer la rue. Ouais. Bon, la sirène est bloquée. Il va falloir qu'on... Oh! Il a disparu! Ça veut dire que mon jeu t'avait de planter, ça. C'est ça que ça veut dire. Pierre à métal avec des résidus de poudre. C'était pas lui. C'était-tu lui? Mandat pour évasion. Il me semble qu'il ressemblait pas à ça, mais bon. Hey! JP la sonde, merci beaucoup. 100 bits de plus. Bon. Bon, bel job, les gars. Messieurs, dames, excusez. Je vais. Oui, Grand Theft Auto on Red Desert Avenue. 18, j'aurais besoin de remorqueuse. On est au coin de Bay City Avenue et de Portola Drive. Flatbed assistance required on Bay City Avenue. Encore plus de lumière. Ils sont fragiles. Ouais, je pense que je vais faire ça avec Clean World aussi pour essayer de... essayer d'aller rechercher un petit peu plus de mémoire. Ça me tente pas de reconduire jusqu'à l'autre bout. Fait qu'on va faire ça. Tiens, ici. Oups! Ben oui! Ouais. Ok. Le 18, je fais 10-19. On va allumer la petite lumière rouge. On va éteindre le moteur pour sauver du gaz.
Ah, je peux même pas, c'est drôle ça. T'as peu. C'est-tu à cause de la lumière rouge que je peux pas? Non? C'est bien weird. Mauvais piton. Ah, ok. Citizens report possible trespassing. Bon. Ouais, 18, je vais aller jeter un coup d'œil juste à côté. Avec un appel qui est rentré, quelqu'un qui a vu une personne qui a pas d'affaires là sur son terrain. Menaces-tu? Ouais, il y a une crowbar. Le 18, envoyez-moi un additionnel. Assistance required on a panorama drive. Ok, tu droppes ton arme. Bro, drop ton arme. Les mains des airs, mets ça à terre. Moron! Of course, they don't want you to know about the Israeli war blimps. Or the new missile launchers on the Vatican's latest gyrocopter. I know what's really going on. I fought in Grenada after all. Attends que le backup arrive. It's gonna be a lot harder to find me. Whatever. Tu bouges pas. You must have seen those blimps last night. Israeli design for sure. Whatever. Tu me couvres, Paul? Hey there. Ok, les mâles. À terre! Drop ça! À terre! I risked my life in Grenada for you. Son of a bitch! Tassez-vous, monsieur, vous êtes dans le chemin. Parfait, tu bouges pas. Un Paul 18, on a un super menotté maîtrisé. Bon! Ok. Là, tu vas me dire qu'est-ce que tu faisais là, là? Je suis sûr qu'il me le dirait pas. Juste niaiser. Ok, vous faites ça souvent, vous juste niaiser dans le. Sur le terrain de quelqu'un d'autre avec une crowbar dans les mains? Est-ce que vous vivez dans le quartier au moins? Non. Enfer, non. C'est quoi cette réponse-là? Non, tu viens vraiment pas d'ici, hein, pour parler de même. Bon, il n'y a pas de questions là-dessus. Est-ce que vous avez quelque chose d'illégal sur vous qui pourrait me piquer, blesser, faire mal ou faire chier? Couteau, canif, lance-grenade, quelque chose comme ça? Non, on revirait le bout de bord, on va faire une petite fouille. Cuillère en métal avec des résidus de pomme noire, un con. Oh, un condom usagé! Arc! J'ai même pas mes gants, hostie! Papier d'emballage, hamburger, puis un pistolet. Ah, je savais pas, j'aurais dû te laisser faire la fouille. Hostie! Tiens, là j'ai des gants. Calice. Ah, tu me dégoûtes. Ok. Un Paul 18, j'ai besoin d'un type 2 s'il vous plaît sur mon client. Je suis Alex Frost 93 11 26. Eh oui, mandat d'arrestation en plus. Ok. C'est une tentative de maladie, ça. Une tentative de meurtre, ça. Un condom usagé dans tes poches, là-même. Pourquoi tu mets ça dans tes poches?
pourquoi tu gardes ça dans tes poches? Pour vrai, là. T'sais, au gros pire, tu le jettes, mais au gros pire, tu le flushes. C'est pas recommandé, mais calice. Ouh, monsieur, ça va? Ouais. Votre femme, elle est partie. Elle est partie pas mal vite avant qu'on ait le temps de parler. Vous êtes sûr qu'elle va survivre à ça? Va de l'air traumatisé un peu. Vous, ça n'a pas de l'air à rien vous calisser. Non? Ok. Ouais. Bon, fait que Monsieur Frost, vous êtes en état d'arrestation pour entrer par effraction. Vous avez un mandat aussi qui pèse contre vous, donc vous avez le droit de garder silence. Tout ce que vous dites pourra être retenu contre vous en cour. Vous avez le droit d'avoir un avocat présent lors de l'interrogatoire, puis s'il ne peut pas vous en payer un pour ça fourni d'office. Vous comprenez ça? Parfait. Mandat d'arrestation. Puis on va aussi rajouter une charge pour possession d'une arme dangereuse. Non, c'était outil de cambriolage, ouais, comme ça. Ça pourrait être considéré comme une arme, mais vu que vous avez coopéré, vous n'êtes pas essayé de vous en servir comme une arme. On va mettre que c'est un outil de cambriolage. Introduction par infraction. Ça, puis le mandat, je l'avais-tu mis? Ouais, ok. Comme ça. Parfait. Hey Paul, tu veux-tu me l'amener? Ah, puis non, tiens, je suis à côté. Je vais l'amener, c'est beau. Hey Paul 18, je vais être en code 7 en transport avec un. Ça. On est à côté du poste, on va l'amener nous autres même. Avance. T'as le choix de choisir un chiffre de 1 à 3. 1? Bon, parfait. Ça. Va t'enlever ma note. Donc, tu vas pouvoir rencontrer ton avocat, tu as droit à un téléphone, puis le juge va rencontrer demain matin pour ce qui en est de la suite. Parfait. Donc, merci de votre coopération, ça va être écrit dans le rapport que vous n'avez pas résisté, donc ça peut peut-être peser à votre balance. Puis, bonne soirée, beau petit lit confortable, vous avez le choix en plus, il n'y a personne d'autre avec vous à soir. Ah ben putain. Bon, y'a plus personne ici. Parfait. Fallait-tu que j'y parle? T'as peu. Peux-tu y parler? Ah ben oui! Bon. Je me demandais pourquoi il y avait encore un point rouge dessus. C'est parce qu'il y avait une conversation. Mais il me semble que quand tu vois quelqu'un avec une croboche, un voisin qui n'a pas d'affaires là, la conversation est pas bien longue. Là. Bon.
On va continuer, ça va bien, ça n'a pas encore planté. On va continuer ça. Le 18, montrez-moi 10, 19. Ah, c'est une ambulance qui arrivait à l'hôpital, ok. Je me demandais c'était quoi ces flashs-là. K9. Un appel pour un chien, mais j'en ai pas. Peut-être la semaine prochaine, le chien, ça sera pas pire. Ça pourrait être pas pire. Hey, Zenergy! Bienvenue au stream, merci pour le follow. Je suis rendu à combien, là? Je le vois même pas. 67! 67, cool! Continuez, gang, lâchez pas! Merci tout le monde. Pas toi qui a un stop, c'était l'autre qui l'a pas fait. Ouais. On va faire un petit dernier appel là. Après ça, on va aller voir s'il y a d'autres monde qui stream. C'est 86? Ah, ça se peut. Moi, je le vois pas partout, fait que... C'est mon... Mon affaire au-dessus de la caméra ici, là, dans mon écran, ça a l'air à dire 62, mais peut-être qu'il n'a pas compté. Peut-être qu'il n'a pas compté les follows que j'ai eu en dehors du stream, parce qu'il y a plein de monde qui sont allés. Sont allés faire follow, genre pendant que je streamais pas. Fait que peut-être que ça les ajoute pas. 86, c'est encore mieux. Parfait, ça. Ce serait le fun de pogner le sang là, avant que la neige commence à tomber. Le sang follow avant ma fête, ce serait parfait, ça. Madame la dispatch. Je veux un appel, madame la dispatch. Ah ouais, Ricky? On ira prendre une bière, man, ta fête. Puis ce coup-là, j'achète pas de la crise de White Claw de merde. Ah, c'est-tu que c'était pas buvable? Ah! Madame la dispatch, fais quelque chose. «
Hey, gauche, j'avais même pas vu, man. Bienvenue au stream. Ah, c'est toi qui as dit quand tu t'es rendu à 86. Ok. Dans mon écran, les deux noms sont en vert. Ben, tous les noms sont en vert. Je me suis fourré. Pourquoi que le dispatch ne donne pas d'appel? Ah! Citizens reporting a c'est le même que tantôt. Deadly weapon. Non. Non, 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 non. Non. T'as-tu vu, Ghoul, tantôt, l'appel avec le fusil de l'espace? J'espère que quelqu'un va avoir clippé ça, même ça valait la peine. L'ambulance qui répond à un call. Ouais. Tranquille, tranquille comme soirée. Les appels sortent pas souvent. Ok, tu viens juste d'arriver. Ben, bienvenue, man. Un petit peu. Juste deux heures en retard. We have suspect last seen in Sandy Shores. Ouais, le 18 en direction. Units respond code 2. Captain Prio 2, merci. Oh, il y avait une roche. On sait avec le train de frappe. On n'avait pas besoin de ce stop-là. Donc, Prio 2, conduite agressive, mais sans lumière, sans sirène, excepté pour skipper les feux de circulation. Mais où est-ce qu'on s'en va? Il n'y a pas beaucoup de feux de circulation. Notre appel qu'on répond, c'est personne qui a un mandat qui a été repéré en arrière de la quincaillerie. Dans une roulotte en arrière de la quincaillerie. Dans le fond, on avait demandé à ses parents de nous appeler quand ils reviendraient à la maison pour souper. Il s'est présenté et ils ont appelé. On est en direction pour ça. Pas mal sûr qu'on va avoir besoin de backup. Le 18, je suis arrivé sur zone. Envoyez-moi un additionnel, s'il vous plaît. Backup required in Sandy Shores. Victor 13, currently heading to the location. Tiens, s'il savait pas qu'on s'en venait, là, il sait, Anesti. Oh yes, ils sont deux en plus. Bon, c'est pour un mandat, les boys. Ok. Mais, messieurs, dames, excusez, Paulette, je t'avais pas vu. Fait que c'est un mandat d'arrestation. Ils sont trois. On garde les yeux ouverts, notre sang-froid. Essayer de repérer de suite les spots qu'on peut se mettre à couvert. Ils sont reconnus pour être armés et dangereux. Ok. On fait attention à nous autres. Let's go. Ok! Mesdames, on met les mains dans les airs, s'il vous plaît!
Qu'est-ce que j'ai dit, Paul, esti? T'as-tu bien tombé? Bon. Attention au cross! Attention au cross! F18, coup de feu tiré, coup de feu tiré! Drop ton gun! Drop ton gun! I'm right here, dispatch. I'll check it out. Green, thank you. Hey, salut R2. You. Bon. Là, faut essayer de trouver c'est laquelle qu'on recherchait. On va commencer par clairer les armes. Ok, ramasser toutes les armes. Je vais aller chercher l'autre pendant que vous regardez la dépouille. Ok, donc elle. Là, j'étais prêt, hein? Avec un amnesty, cet appel-là. Celle-là s'appelle Ashley Scott. Ashley Scott. Scott, puis Madame Scott avait des pilules non identifiées. OK. Après ça. We've got a suspect on the run in Sandy Shores. Ça, c'est Lauren Gardiner. Elle, elle avait une grenade. Si, ouais, ça aurait pu mal finir, ça. Ouais! Back. OK. 18, vous pouvez stager les médics, là, on va éclairer la scène, ils vont pouvoir s'avancer plus tard. Celle-là. We've got units require immediate assistance in a serious MVA on a Sonora freeway. Paulette, t'es des jambes! Copy that, dispatch. Animals on the loose. Après ça, on avait Casey Reynolds. Elle a là un cocktail Molotov. Parfait. On prend des notes. Puis celle-là que Paulette nous laisse pas investiguer. Bon, c'est. Pourquoi je peux pas? Bon! In Grande Sonora Desert. Ça c'est Julia Ramirez. C'était elle qui avait le mandat. Puis elle avait rien sur elle, excepté qu'il y avait toutes des armes à feu. Le 18, la scène est 10-4, là, pour envoyer médic. Ambulance, assistance required in Sandy Shores. Chris, il était pas loin?
We have a serious NVA. Asti que j'adore ça, les reflets partout. Chris que je capote. Bon, on va identifier les armes à feu. Lauren Gardner, ok. Ça, c'était celle la bien noire. Puis l'autre, Julia Ramirez, ça, c'était elle qui était notre personne recherchée. On va toutes les vérifier pareil. C'est pas mon véhicule, ça. C'est lui, mon véhicule. Semblait que j'avais pas de Starbucks, moi, dans le cup holder. Bon, fait que Julia Ramirez, non, pas de mandat. Ok, Ashley Scott, non plus. Ah, elle, ok. Fait que c'était celle-là habillée en noir, c'est elle qui avait une grenade sur elle, puis un des deux pistolets. Ok, possession de fentanyl, gangstérisme, possession d'outils de cambriage, possession d'héroïne. Là, elle avait possession de matière explosive, possession d'une arme à feu, gangstériste toujours, décharge d'une arme à feu, tentative de meurtre, utilisation d'une arme à feu dans un dessin dangereux, possession d'une arme à feu lors de... Non, elle n'était même pas libérée sous condition rien. Ok. Permis suspendu. Y en a-tu qui avaient des conditions? Non, aucune. Ouais. On va aller tasser le Taurus, les autres ont de l'air d'être buggy ici. Oup. Ça. It's not looking good. Bon. You're covered. Fait que c'était elle ici qui était la personne recherchée. Vous autres, y'a personne de touché de notre bord, là? Tout le monde est correct? We have a 211 in Rockford Hills. Ah, moi, je n'ai pas ni une dans la veste, là. Ça a sonné sur le coup, mais je suis correct. I know it. Thanks. Oh, y'a quelqu'un là? I'm just I should move to Vice City. T'as peu, y'a quelqu'un là? C'est quoi que tu... Ah, ok, elle a check celle-là ici, mais juste de bien loin. Ok. La 18 au CGA, vous pouvez m'envoyer l'identité judiciaire, s'il vous plaît. Assistance required in Sandy Shores. Bon, nous autres, pendant que eux autres s'en viennent, on va aller checker nos casiers judiciaires. Oh, d'où que ça va, Zern? Ça. Donc, qu'est-ce qu'on avait aujourd'hui? On est là. On en avait juste deux? Ouais, c'est que toutes les autres sont morts! Oups! On en avait juste deux. OK. Fait que lui qui a brûlé son stop.
Lui qui a brûlé son stop, 165$ cette ticket. Ça c'est toutes des affaires de la semaine passée. Alex Frost, lui qui était par introduction, est entré par infraction, possession de petit cambriolage puis son mandat. Donc il y a eu 14 ans de prison, 5000$ de ticket. Donc merci. Wow. On va passer sur le coroner. Bon. Fait que nous autres, on va se laisser là-dessus, je pense bien. Merci d'avoir été là tout le monde, hein. Il y avait gros du monde à soir, une quinzaine de personnes, pas mal toute la soirée. Là on est rendu, ça a rebaissé à 9, ça a joué entre 7 et 17, pas mal toute la soirée. Fait que super content, j'espère que vous avez aimé ça, j'espère que vous avez apprécié. Comme toujours, un petit like, un petit partage pour m'encourager, m'aider, me montrer que vous aimez ce que je fais, puis m'encourager à en faire d'autres. Oubliez pas de follower la chaîne aussi si c'est pas déjà fait pour savoir quand est-ce que je fais d'autres lives. Habituellement, c'est à tous les samedis soirs. Des fois, ça arrive à cause de mon horaire que je le fais soit le vendredi, soit le dimanche. Ça se peut qu'au courant de la semaine, j'en fasse une surprise aussi qui n'est pas annoncée en nulle part. Fait que faites un petit follow comme... Non, ça c'était des bits. C'était pas ça, non? Ton timing était pas bon, JP. Merci pareil, mais ton timing était pas bon. Fait que, un petit follow avec la petite cloche en dessous pour savoir quand est-ce que je fais des lives. J'espère que vous avez aimé ça. Soyez prudents cette semaine. On se revoit la semaine prochaine. Puis là, si vous le permettez, je crois qu'on va aller faire... On va voir s'il y a quelqu'un qui raid en ce moment. Non, j'ai personne... dans mes affaires qui sont online en ce moment. Fait que... pas grand chose à faire là-dessus. Si vous voulez suivre, on va aller voir Payou, on va voir s'il dit quelque chose. Fait que Payou qui joue à World of Warcraft, en anglais par exemple, mais j'espère que vous allez passer une belle soirée. Faites attention à vous autres. Bye bye!